la fille du Tintoret. Quand la Tintoretta fut morte, resté seul devant elle, il alla soulever son linceul, puis, comprimant un cœur que la souffrance obsède, et le père appelant alors l'artiste à l'aide, il prit son chevalet, sa toile, son pinceau, l'arrangea dans son lit comme dans un berceau, et, ployant sa douleur à cette œuvre sacrée, fit le dernier portrait de sa fille expirée. Tout le jour, retrouvant sa force et son savoir, il travailla, farouche, obstiné, sans rien voir que le modèle à suivre, que la pose à rendre. Et quand, le lendemain, à l'aube, on vint la prendre et clouer pour toujours au cercueil son beau corps, là du travail, à bout de torture et d'efforts, après son accablante et funèbre journée, il put enfin pleurer, l'œuvre étant terminée. Ô maître, mon amour est mort ce matin-ci. Rentrant mon désespoir en moi, j'ai fait aussi ma tâche de science et de deuil solitaire. Tout mon ancien bonheur, qu'il me faut mettre en terre, j'ai voulu, cette fois encore, le regarder. Et je l'ai gravé dans mon verre, pour en garder l'image chère, avant que le passé l'emporte, comme le Tintoret peignant sa fille morte.